Ederson. Ils ont littéralement confisqué le ballon. Franchement, c'est bien joué. C'est net et sans bavure. Quel défenseur! Nouvelle occasion de centrer. Ils n'arrêtent pas d'attaquer. C'est un vrai régal. Ils vont peut-être en marquer un autre. Encore une occasion de centrer. C'est un défenseur qui est venu prendre le ballon. Nouvelle occasion de centrer. Attention, il frappe. C'est extrêmement décevant. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien. Bientôt une demi-heure de jeu dans la première mi-temps. Ederson. C'est mal joué de la part de la défense et c'est toujours aussi dangereux. Le tir est décoché. San Martin, Van der Goon. Il gêne son adversaire et récupère la balle. Ederson. Le ballon subtilisé par l'adversaire. Une très longue passe. Encore une belle occasion. Il tente sa chance. Du pied, dégagement sûr. Van der Goon, Gilbert Bauer. Ils sont partis sur l'aile. Les défenseurs semblent un peu perdus. Les tacles ne servent à rien. Attention, ça peut être dangereux. Joli dédoublement de la part du défenseur. Va-t-il frapper? Excellent travail défensif. Le gardien a vraiment eu chaud. Il ne trouve pas le moyen de percer cette défense. Sur ce centre, ils vont peut-être égaliser. Le portier est bien présent, il a le bon geste. Edu Dracena. Quelle frappe! Le gardien a dévié la balle, corner. Le ballon est dans les airs. Et c'est dedans, j'en connais un qui va s'y rappeler, Arthur. À mon avis, ils vont regretter longtemps d'avoir concédé un but aussi stupide.
Le break est fait, 2-0. Ils n'ont pas manqué de précision et de talent devant le but. Hein. Et les supporters, on sent qu'ils apprécient. Hein. Mais il ne faut pas qu'ils aient trop de confiance non plus. Hein. Parce qu'un seul but de l'adversaire pourrait changer complètement les données. Nouvelle occasion de centrer. Trop loin du but. Dégagement. Gilbert Bauer. Ils n'ont pas souvent le ballon, mais toutes les occasions sont bonnes à jouer. Edu Dracena, San Martin. La défense est prise à revers. Bonne interception, on peut relancer. Encore 5 grosses minutes avant la mi-temps. Edu Dracena. Pour l'instant, ils se contentent de faire tourner le ballon en milieu de terrain. Ils ont du mal à trouver une faille devant. Ça peut passer à gauche, ça peut passer à droite, nous verrons bien. Bien joué, l'attaque ne donnera rien. Changement de jeu. Encore une occasion de centrer. Il a dégagé. Ça peut se terminer au fond. Il essaie de marquer. Dégagement. Malgré la charge de l'adversaire, il tient debout. Il veut marquer. Trajectoire coupée par le défenseur. C'est sûrement la dernière action du match. Changement d'aile. Ils peuvent construire quelque chose. Et c'est dégagé. C'est la fin de ces 45 premières minutes. On espère bien sûr avoir un spectacle de grande qualité au cours de la seconde période. Et malgré le score, on peut dire qu'ils n'ont pas fait une super première mi-temps. Nous sommes repartis. J'espère que les joueurs se sont calmés parce que franchement, c'était difficile pour l'arbitre. Allez, ça doit aller au fond. Oh, le gardien le lâche. Bien défendu, le ballon est récupéré. Long ballon en profondeur sur le côté. Il sort de son but et capte le ballon. Ceci donne lieu à une bataille aérienne. Bonne action, le ballon est récupéré. Il est en retard, coup franc. L'adversaire est un petit peu perdu. La possession de balle en milieu de terrain est vraiment impressionnante. C'est toujours bien d'écarter le jeu au maximum. Hors jeu, il faut surveiller le placement. La passe en profondeur est réussie. C'est bien de la part des défenseurs. Bien défendu, le ballon est récupéré. Il gêne son adversaire et récupère la balle.
encore une occasion de centrer. Arrêt du gardien. Attention, il peut marquer. La barre. En général, quand on a des occasions comme ça, il vaut mieux les mettre au fond. Hein, parce qu'après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Van der Goen. San Martin. On assiste à des séquences de jeu absolument magnifiques. Ça va peut-être finir par rentrer. Il y a du but dans l'air. Là, c'est carrément parti au poteau de corner. Et si la défense lui laisse de l'espace comme ça toute la rencontre, à mon avis, il va pouvoir tirer au but pendant 90 minutes. Une tête énergique. Passe en profondeur. Il va y avoir de la pression dans ce couloir. Centre détourné. C'est un tir brossé. Bon dégagement. San Martin. C'est pas idiot de conserver le ballon en milieu de terrain. Ça allège vraiment le travail des défenseurs. Bien joué. Ils repartent de l'avant. C'est la seule solution pour espérer que cette rencontre ne soit pas encore terminée. Oh, il y aura peut-être but. L'entraîneur doit être très mécontent de son gardien. Mais heureusement, la défense a très bien réagi sur le coup. Ils peuvent construire quelque chose. Le gardien avance et saisit la balle. Ederson. Le drapeau est levé, le jeu s'arrête. San Martin. Van der Goen. San Martin. Ledesma. San Martin. Bonne réaction de la défense. Ederson. Joli appel en profondeur sur le côté. Il lui faut un espace pour cadrer. Pas moyen de passer cette fois. Ederson. Si ça gagne pas, ça débarrasse. Le ballon est expédié en touche. Dans la surface de réparation. C'est dégagé. Ederson. Trop loin du but. Encore une occasion de gâcher car le tir n'est pas cadré. Et à force de faire des grilles au lieu de tirer, à mon avis, l'entraîneur il va commencer à la rappeler sur le banc. Minutes dans la seconde période. Ederson, auteur d'une passe décisive depuis le début du match. Encore une occasion de centrer.
Il est dégagé. Tout près de la cage. Le portier l'a attrapé. Très bon de la tête. Edu Dracena. San Martin. Bon pressing. Le joueur récupère le ballon. Il cherche des espaces. Pas moyen de passer cette fois. C'est pas mal sur le plan défensif. Attention, ça fait longtemps que ce ballon est dans leur camp. Il faut pouvoir le dégager maintenant, c'est dangereux. Bien vu. Ledesma. Oui, la passe arrive à destination sur l'aile. Il reprend le ballon maintenant. Ederson. Il gêne son adversaire et récupère la balle. Et ils obtiennent une touche dans le camp adverse. Martin. Il manque vraiment de coordination. Ederson. Il a trouvé un partenaire, voyons la suite. Il tire juste au-dessus de la barre. Et vous avez vu comme il a éliminé, comme il s'est débarrassé de son adversaire. Malheureusement, il n'a pas pu ajuster son tir derrière. Le contre, c'est une arme redoutable. Ederson. Encore une belle occasion. Le ballon est à peine hors de la surface. Wander. San Martin. Bon travail et bonne possession du ballon. Ederson. Au niveau du jeu, c'est un vrai régal. Le ballon circule vite, les joueurs sont en place. En face, ils vont commencer à souffrir. Le décalage est fait. Super claquette du gardien. Encore un but pour la même équipe. Comment voulez-vous qu'ils réagissent? On a vraiment senti que le ballon lui avait échappé de nez. Oh, il a mis les termes de vaisselle de sa femme. C'est pas possible, il a offert un cadeau à mort à l'adversaire. C'est un doublé et franchement, il n'y a rien à dire car il fait tout le boulot aujourd'hui. Et franchement, ça roule tout seul. Là, on voit déjà que ça devient plus facile. Ils font la passe à 10, ils se créent des occasions. Ah, c'est un jour de gloire pour les attaquants.
Le ballon est pour l'autre équipe. Ledesma. Gilbert Bauer. Van der Goon. Ledesma. Van der Goon. San Martin. Ledesma. Presque 75 minutes écoulées. Un ballon repassé en arrière. Ça part à 200 à l'heure, c'est bien. Nouvelle occasion de centrer. Bien joué de la part du défenseur. L'adversaire est un petit peu perdu. La position de balle en milieu de terrain est vraiment impressionnante. La faute est claire, évidemment. Dernier avertissement verbal. La prochaine fois, c'est un carton. Charge irrégulière, coup franc. Il devrait tenter sa chance, dit Millet. Jolie frappe. Le ballon est détourné. Corner. Ce ballon est bien haut. Nous entrons dans le dernier quart d'heure. L'entraîneur procède à deux changements en même temps. Là, c'est le bon moment pour le faire rentrer. Il va mettre le Bronx dans la défense adverse. Encore une belle occasion. La balle n'est pas passée. Cette passe peut surprendre la défense. Ce n'est pas une belle frappe, elle n'est pas cadrée. Et dans ce genre de centre, fort devant le but comme ça, il manque toujours rien pour le mettre au fond. Il aurait fallu qu'il chance d'une pointure de plus et c'était bon. L'entraîneur cherche à remanier l'équipe. Ah, quel dommage, l'arbitre a levé son drapeau. Encore une occasion de centrer. Il décoche une frappe. Et c'est dedans. Oh, bien joué. Et quelle belle image de joie. Dès ses premiers ballons, vous avez vu, il marque un but. Peut-être que l'adversaire, tout simplement, ne l'a pas vu rentrer sur le terrain. Une différence de deux buts, ça peut suffire. Même si le résultat n'est pas certain et que l'entraîneur commence à avoir des tics, je crois qu'il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter quand même. Encore une belle occasion. Bien dégagé. Il s'est interposé au bon moment. Belle demi-volée. Il a fait le geste qu'il fallait et le gardien était battu, mais pas le poteau. Il manque vraiment de coordination. Ça n'échappe pas au gardien. De rien. Le ballon est repoussé des points par le gardien. Corner. L'entraîneur apporte quelques améliorations. Ballon aérien. Le joueur frappe. Encore une occasion de centrer.
On est toujours dans le même camp et la touche est dangereuse. Cette attaque ne donnera rien. La menace est écartée. Dégagé par le défenseur. 1 minute de temps additionnel. C'est peut-être leur dernière action. C'est fini. L'arbitre a sifflé. C'est la fin de cette rencontre. Victoire. C'est donc la victoire finale pour cette équipe. Et franchement, elle est méritée parce que sur le plan technique et physique, ils étaient vraiment au-dessus des autres.